Qu'est-ce que c'est? Je veux partager mon secret avec toi, sœur. Mais, promets-moi que tu ne le partageras avec personne. La vie entière de nous, les femmes, est un secret. Et il y a quelques secrets. Les femmes meurent en gardant des secrets toute leur vie. En fait, es-tu tombé amoureux de quelqu'un? Vous devez avoir réalisé votre statut. Les gens qui dirigent ce pays, eux aussi s'inclinent devant ton père. Quelle est la signification de ce siège? Vous l'avez vu. C'est votre décision. Veux-tu t'asseoir sur le siège de Makhdoumabad? Ou vas-tu gâcher ta vie avec tes amis? Qu'est-ce que c'est? Tu as l'air très calme. Tant que ce journaliste vivra, ton rêve de faire de moi un ministre, cela ne pourra jamais être réalisé. Je ne sais pas pourquoi. Tu insistes toujours pour ce journaliste. Père, ce n'est pas une mince affaire. Il est devenu une épine dans ma vie. Jusqu'à ce que je l'écarte de mon chemin, ça va continuer à me faire souffrir. Je te l'ai dit, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. S'il fait quelque chose maintenant, je le verrai moi-même. Pour l'instant, tu as besoin de te reposer quelques jours. Reste à la maison. Amuse-toi si tu veux. Mais je ne veux pas de conflit ni de combat sanglant. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, père. Très bien. Sœur, maintenant dis-moi ce que je dois faire. Mon père m'a empêché d'étudier à cause de mon frère. Mais si. S'il m'a fait m'épouser ailleurs. Sœur, je vais mourir, je ne pourrai pas vivre sans Majid. Cela n'aura d'importance pour personne. Rien ne se passera. Même quand tu meurs, personne ne pleurera pour toi. Rien n'arrivera à ta mort. Combien de femmes avant toi? Ils ont perdu la vie pour l'honneur des hommes. Tu mourras aussi. Ces hommes sont également pardonnés pour leur meurtre. Mais les femmes, même leur droit à l'amour n'est pas supporté. Donc tu veux dire ça? Je devrais oublier Majid. Non, non. Je ne veux pas de ça. Je te veux détruire l'immense mur de la tradition pour les femmes. Obtenez votre bonheur. Si tu continues à mendier ton amour, tu ne le trouveras jamais. Si tu veux avoir ton amour, fuyez d'ici. Vis ta vie selon tes propres conditions. Si je voulais me marier en m'enfuyant, je ne serais peut-être jamais revenue. Je veux se marier avec la permission du Père. Tu es très, très innocent. Ceux qui ne t'ont pas laissé faire des études, selon ta volonté, vont-ils vous laisser vous marier selon votre volonté? Plutôt que de vivre une vie oppressante pendant 100 jours, tu devrais passer une journée selon tes propres conditions. Le reste est votre volonté. Ce que tu as à faire. J'ai entendu dire que certains invités viendraient dans quelques jours. Je pense qu'il t'a engagé quelque part. Je suis sûre.